Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de dépasser la limite d'XP journalière en mode créatif sur Fortnite. Donc c'est une astuce qui me vient directement de Johnny34, donc grosse dédicace à toi poto, et vous allez voir que les très gros glitchs, donc vous pouvez le faire sur des petits glitchs, mais c'est mieux de le faire sur les très gros glitchs, genre des glitchs qui vous rapportent 150 000 XP par bouton ou par glitch, et ben ce genre de glitch, quand vous allez le refaire au fur et à mesure, vous allez perdre de l'XP au fur et à mesure. Là, je vais vous présenter une technique qui va vous permettre de gagner deux fois plus d'XP, genre dépasser la limite d'XP sur le mode créatif de Fortnite. Donc, je vais vous expliquer ça. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que hier, en fait, j'ai présenté une map qui m'a rapporté 150 000 XP en un seul glitch. Donc, en très peu de temps, j'ai gagné 150 000 XP. Donc, j'ai pris deux niveaux. Donc, ce glitch, je vous avais dit dans la vidéo qu'il allait être patché très rapidement. Mais le problème, bah non, c'est même mieux en fait, c'est que j'étais le seul à avoir publié ce glitch sur ma chaîne YouTube. J'ai pas fait beaucoup de vues, une histoire de 500 vues. Donc, le glitch est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc, c'est génial. Je peux vous présenter cette astuce via ce glitch. Donc le glitch, c'est le code du glitch sera bien sûr en description et vous allez voir que je vais gagner beaucoup d'XP. Donc il faut savoir que là j'ai un compte niveau 1 parce que ben voilà, je voulais le présenter avec un nouveau compte, mais ça marche aussi avec n'importe quel compte. Hein. J'aurais pu le faire avec mon niveau 96 plutôt, mais voilà, je suis déjà en limite d'XP. Quand je fais le glitch, je gagne pas beaucoup d'XP parce que je l'ai déjà fait. J'aurais dû utiliser cette technique que je ne connaissais pas et là je vais vous présenter une technique et je vais la tester en même temps que vous parce que c'est Johnny qui vient de me l'apprendre. Alors, ce que vous allez faire quand vous êtes dans le mode créatif, vous serez obligé de le faire dans le mode créatif pour que ça marche, c'est mettre les quatre portails sur le code des maps sur les quatre portails. Donc là, j'ai mis le code de la map qui est en description et en commentaire épinglé sur les quatre portails. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est faire le glitch via les quatre portails. Donc, vous allez commencer de gauche et vous allez faire via vers la droite. Parce que si vous faites deux fois le même portail, ça va pas aller. Donc, commencez bien sur la gauche pour pas vous tromper de portail quand vous faites le glitch. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais gagner genre 150 000 XP ici. Puis là, je vais peut-être gagner 60 000. Puis là, je vais peut-être gagner 30 000. Puis là, je vais peut-être gagner 25 000 XP. Donc, ça va diminuer progressivement les XP. Donc, c'est ce qui va se passer en temps normal si vous ne faites pas l'astuce que je vais vous présenter juste après. Donc là, première chose, c'est qu'on va faire le glitch, les quatre glitches, un après l'autre, et on va prendre un maximum d'XP. Et ensuite, on va utiliser une astuce qui va permettre de regagner la même chose qu'on vient de gagner actuellement avec les quatre maps. Comme ça, comme si on n'avait pas glitché et qu'on peut refaire le glitch pour regagner le même nombre d'XP. Donc, vous allez voir, c'est assez dingue. Et ça, c'est incroyable. Donc, tout d'abord, je tiens à faire une petite publicité pour mon co-créateur. Quand vous lancez la map, le bouton soutenir un créateur, vous pouvez soutenir un créateur. Donc, vous appuyez sur le bouton et vous mettez le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent. Ça soutient à fond la chaîne et c'est très important de le mettre. Donc, merci à tous ceux qui le mettent. Alors, ensuite, quand vous avez noté le code, vous lancez la partie tout simplement. Voilà, en appuyant sur option menu, lancer la partie. Ensuite, ce que vous allez faire, pour ce glitch-là, hein, je présente. Mais voilà, pour les autres glitches, bah, vous ferez les autres glitches, peu importe. Mais sur ce glitch ici, ce que vous allez devoir faire, c'est prendre une arme. Donc vous pouvez prendre votre Scar, mais moi j'aime bien prendre le pistolet laser de Chimera. Voilà, c'est une arme que j'aime bien quand je glitch sur ce genre de map. Donc ensuite, pour réaliser le glitch, vous allez vous rendre derrière le bouton support soutenir un créateur. Ensuite, vous faites 7 rampes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rampes. Ensuite, vous faites 5 plats. 1, 2, 3, 4, 5 plats, ensuite un plat sur la gauche et un plat sur la droite. Donc là, regardez, je suis bien niveau 1. Hop, niveau 1, il me manque 75 000 XP avant le niveau 2. Donc ce que je fais, c'est que je vais sur la plateforme de gauche, là ici. Je regarde en l'air, je tire avec mon arme. Voilà, voilà. Regardez, déjà, je suis passé niveau 2 là. Je suis déjà passé niveau 2. Donc j'ai déjà gagné plus de 75 000 XP. Donc, plus 12 000, ça fait 75 000, plus 12 000, ça fait... Waouh, regardez, bah, c'est encore pire. Encore pire, là j'ai gagné 150 000 XP, même plus.
150 000, 180 000 XP. Ok ? Donc ça, c'était pour la première plateforme. Donc maintenant, vous allez sur la deuxième plateforme et vous tirez en l'air. Boum. Regardez, 55 000 XP. Incroyable. Donc là, je suis passé... Regardez, ça me redonne 55 000 XP. Franchement, c'est incroyable. C'est insane. Donc de niveau 1, je passe à niveau 4. Même plus, à niveau 5. Ok ? C'est un truc de malade, les mecs. Ok, niveau 5. On va voir jusqu'où ça monte. Plus 18 000. Ok, donc là, j'ai pris exactement 5 fois 75 000. 5 fois 75 000, combien ça fait? Calculatrice. Alors, 5 fois 75 000, ça fait 375 000 XP, plus les deux barres là. Je pense qu'une barre, c'est 10 000, donc plus 12 000. Ça fait, ouais, ben, on est à 400 000 XP. J'ai pris 400 000 XP, ok? C'est un truc de malade. Parce que c'est un nouveau compte, c'est pour ça. Donc là, j'ai pris 400 000 XP. Hop, maintenant, ce que je fais, c'est que je retourne à l'accueil. Et je vais dans le deuxième portail. Vous allez voir, c'est un truc de malade. Quand je suis dans le deuxième portail, ce que je fais, c'est que ben, je mets le code créateur, si vous ne l'avez pas encore mis, le code créateur SCM, vous connaissez. Je lance la partie. Et ensuite, je vais chercher une arme et je recommence le glitch. On va voir combien d'XP je vais prendre. Alors, il faut savoir qu'il y a une personne dans les commentaires qui m'a dit qu'il avait pris 20 levels grâce à ce glitch. Hein. Et il y a une autre personne qui m'a dit qu'elle avait pris 200 000 XP. Moi, j'avais pris 150 000 avec mon compte principal. Là, j'ai pris 400 000 avec ce compte. Donc, c'est assez hallucinant. Donc là, on crée 7 rampes, 5 sols. Un sol sur la gauche, un sol sur la droite. Je vérifie que je suis au bon endroit. Quand je tire, ouais, c'est bon, je suis au bon endroit. Je prends mon arme. Donc, je suis niveau 5. Hop, c'est parti. Je prends là. Là, je vais gagner moins d'XP. C'est totalement normal que je prenne moins d'XP. Mais regardez, c'est quand même incroyable. Hein. Je prends quand même blindé d'XP. Hein. J'ai repris encore 70 000 là. Facile. Ouais, 70 000 XP. Ok. Donc, pour la première plateforme. Ah, ça continue. Allez, 57 000 XP. Let's go. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc là, j'ai repris. De toute façon, on calculera combien d'XP j'ai pris au total. Ok. Mais là, j'ai encore repris 130 000 XP, là. 150 000 XP, là. Allez, plus 41 000. Boum. Plus 12 000. Là, je vous montre comment vous allez pouvoir exploiter les glitches de Fortnite au mieux que vous pouvez. Vous pouvez pas trouver mieux. Franchement, c'est la base, là. Là, vous pouvez pas faire mieux que ça. Là, je vous montre la technique ultime pour profiter des glitches d'XP sur Fortnite. Pour que ce soit super rentable. Donc là, je suis niveau 7, ok? Donc maintenant, on fait un retour à l'accueil. J'ai déjà pris 7 niveaux, le mec. 7 niveaux, on est à 7 minutes de vidéo et encore, je fais des explications. Donc vous, si vous le tryhardez, en 2 minutes, vous prenez 7 niveaux, quoi, direct. Donc là, on va lancer la partie. Ok. Ensuite, nous allons chercher notre petite arme favorite, qui est le pistolet laser de Chimera. Let's go. Hop. Voilà. Voilà, tous les quatre Johnny, si ta technique elle marche, t'es un tueur. Donc là, on fait 7 rampes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En tous les cas, pour l'instant, elle a l'air de marcher ta technique, Johnny. 1, 2, 3, 4, 5, 1 sur la gauche, 1 sur la droite. Boum, on regarde nos XP, niveau 7, ok, on tire en l'air. Là, ça va me donner moins d'XP. Forcément, plus vous allez faire le glitch, moins vous allez gagner d'XP. Mais normalement, ça devrait quand même m'en donner pas mal. Donc là, ça m'a donné voilà, plus ou moins 50 000 XP. Donc tout à l'heure, ça m'avait donné 70 000 XP. Là, ça me donne 50 000 XP. Donc vous voyez bien que je perds un pourcentage d'XP. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc ici, sur la plateforme, on peut tirer plusieurs fois. Hein, vous avez vu, deux fois, je pense que c'est le maximum. Donc là, j'ai encore repris 100 000 XP. Donc maintenant, on va sur l'autre plateforme. Allez, boum, 34 000. Plus 9000. Allez, plus 54 000. Let's go. Donc là, on va attendre que les XP s'affichent une deuxième fois. Je pense que les XP peuvent s'afficher deux fois par plateforme. Donc on va attendre un petit peu pour être sûr de bien prendre le maximum. Donc j'ai pas l'impression que ça se réaffiche. Ouais, j'ai l'impression que ça ne se réaffiche pas. Ok, donc je pense que j'ai pris le maximum sur cette plateforme. Donc tant pis.
Là, cette fois-ci, elle s'est pas affichée deux fois, donc c'est un peu dommage. Attendez, je réessaye une dernière fois. Sur cette plateforme, ça marche pas. Et sur celle-là, ça marche pas non plus. Donc là, j'ai pris le maximum. Là, j'ai pris le maximum, donc retour à l'accueil. Et maintenant, on va faire la quatrième et dernière. Le dernier portail. Et ensuite, je vous explique l'astuce. L'astuce ultime qui va vous permettre de doubler tous les XP de tous vos glitches d'XP sur Fortnite. Ouais, parce que vous allez pouvoir les doubler, mais pas les tripler. Après, peut-être qu'on peut les tripler. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Mais je pense que vous n'allez pas pouvoir les tripler. Mais vous allez pouvoir faire deux fois et demi. Puis, en fait, je vais vous expliquer à la fin, comme ça vous comprendrez. Mais je pense que c'est faisable de le faire en illimité pour gagner un maximum d'XP. Moi, je vais juste le faire une fois. Je vais vous montrer l'astuce une fois. Et après, vous pouvez répéter l'astuce plusieurs fois. Mais vous gagnerez de moins en moins d'XP. La première fois que vous allez le faire, vous allez gagner le même nombre d'XP que la toute première fois que vous faites le glitch. Mais la deuxième fois que vous allez faire la technique, l'astuce, vous gagnerez ce que vous avez gagné la deuxième fois. Enfin, je sais pas. Je pourrais peut-être tester. Je vais peut-être tester. Peut-être que la vidéo sera longue, mais au moins on sera fixé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je préfère faire une vidéo longue, tant pis si elle est super longue, mais au moins vous serez au courant de tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7. Ok, donc on prend le pistolet, on tire en l'air. Ok. On a pris combien là? On a pris une histoire de 40 000 XP. On va attendre que les XP s'affichent une deuxième fois. Ah ben là on vient de reprendre 30 000, donc ouais, une 70 000 XP. Je pense qu'on a pris le plus qu'on pouvait. On va voir, je vais tirer encore un petit peu pour être sûr. Que sur cette plateforme j'ai tout pris. Ok, c'est bon, je pense que j'ai tout pris sur cette plateforme. Donc on va sur l'autre plateforme. Hop, on tire en l'air. Ok, 21 000. Le 6 000. Donc on s'était pris quoi? 60 000 XP sur l'autre côté? Ouais, on vient de se refaire encore... ouais, on se fait encore du 100 000 quasi. Hein. Regardez, plus 3 000. On va encore tirer un petit peu pour être sûr. Donc j'ai... Oh là, ça redonne. Vous avez vu, parfois ça donne deux fois. Donc là, je suis niveau 11, les mecs. Hein. On va essayer de passer niveau 12. Vous croyez qu'on passe niveau 12? Non, je pense qu'on passera pas niveau 12. Donc là, on a quand même pris 11 levels, les mecs. 11 levels plus... Oh, regardez, on va peut-être passer niveau 12. Oh, ce serait trop beau. Ce serait trop beau. Non? On passe pas à level 12. Bon, on va faire un petit calcul, ok? On va essayer de tirer là. On va faire un petit calcul. Je suis niveau 12. On va dire que je suis niveau 12, ok? Donc 12. 12 fois 75 000. On a pris 900 000 XP. On a pris 1 million d'XP quasi. Voilà, ok. 1 million d'XP, les mecs, en anglais, ok? Donc là, on va essayer de doubler ce million d'XP. Parce que là, normalement, je peux plus refaire un million d'XP aussi facilement. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner en mode créatif. Retourner en mode créatif. Enfin, en retour à l'accueil. Là, faut faire très attention. Faut bien faire exactement ce que je vous dis. Vous faites retour à l'accueil. Quand vous êtes de retour à l'accueil, vous maintenez votre bouton PS. Vous fermez le jeu. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne sur PC et Xbox, mais voilà, ça peut fonctionner, je ne sais pas, faut tester. Là, vous relancez le jeu. Si ça a bien fonctionné, ça fonctionne pas à tous les coups, il faut savoir que parfois ça ne fonctionne pas, mais les trois quarts du temps, ça fonctionne. Quand vous allez relancer le jeu, vous ne verrez pas vos niveaux, vous ne verrez pas que vous êtes niveau 11. Moi, je suis niveau 11, là, normalement, il va m'afficher que je suis niveau 1. Donc, le jeu, en fait, va pas capter que j'ai fait un glitch. Donc, l'XP, il va pas capter. Regardez bien, là, il faut que je sois niveau 1. Donc, connexion en cours. Je fais aucune coupure dans la vidéo, comme ça. Regardez, je suis niveau 1. Quand vous êtes niveau 1, donc là, ça a bien fonctionné. Quand vous êtes niveau 1, vous relancez le mode créatif directement. Et là, on va refaire les glitches. Et en fait, en refaisant le glitch, ben, le jeu va pas calculer qu'on a déjà pris l'XP. Donc, on va pouvoir doubler l'XP. C'est ça, la technique ultime. Précédemment, dans la saison 8 de Fortnite chapitre 1, je vous avais présenté cette astuce pour niquer la limite d'XP. Ça fonctionnait, et ça fonctionne toujours, mais d'une autre façon que Johnny vient de me présenter. Moi, je vous l'avais présenté d'une autre façon. Là, c'est encore plus cheaté. Là c'est incroyable. Hop. Là, on remet la map sur les quatre portails. Et si tout va bien, on se fera 20 niveaux. Voilà. Au total, on sera niveau 20.
Donc je suis passé de niveau 1 à niveau 20. C'est juste incroyable. Ok, donc quand on a mis les 4 portails, on attend bien que les 4 portails soient chargés. Très important. Très 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 important. On attend. Voilà. Vous pouvez voir, je m'y taupe pas. Regardez l'heure, 15h56 aujourd'hui. 15h56, la vidéo elle sera postée dans 20 minutes. Le temps que je fasse le montage, le rendu et tout ça. Enfin voilà quoi. Donc là ça charge, on attend. Regardez, on est toujours au niveau 1. C'est ça qui est incroyable. Bon là ça prend un peu de temps. Voilà, les 4 maps sont chargées. Donc on va dans la map de gauche, pour être sûr de ne pas se tromper, on fait que de gauche à droite. On va dans la map de gauche, bien entendu, on met le petit code créateur SM dans la boutique de Fortnite. Merci à tous ceux qui le mettent, franchement vous êtes les boss. Et ensuite on va chercher l'arme de Chimera. Ah ben non, faut lancer le jeu, je suis bête. Menu, pause, voilà. On lance le jeu et on va chercher le pistolet de Chimera. Après vous pouvez le faire avec l'ASCAR, hein. C'est pas un problème. Moi je le fais avec le pistolet de Chimera parce que bah, c'est un tir continu. J'ai l'impression que ça marche mieux, mais voilà, c'est peut-être qu'une impression. Donc ensuite on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ensuite là on tire en l'air. Et normalement ça devrait me donner autant de... Regardez, 75 000 XP. Voilà, ça marche. Ça marche, Johnny. T'es un dieu, mon frère. T'es un dieu. Incroyable. Incroyable. Donc là, je suis passé niveau 2. Ok. On va continuer pour voir si je peux pas avoir une deuxième fois les XP sur cette plateforme. Allez, boum, ça me redonne les XP sur cette plateforme. C'est parfait, les mecs. C'est juste incroyable. Et franchement, faut partager cette astuce. Faut partager cette vidéo et faut partager cette chaîne, les mecs. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Franchement. Est-ce qu'on mérite pas un petit abonnement, là? Regardez-moi ça. En fait... Là, il faut savoir que là, ok, je suis niveau 4. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais retourner au menu principal, donc au lobby de Fortnite, je vais récupérer tous les niveaux que je lâche actuellement, je suis en train de faire, plus mes anciens niveaux que j'ai fait juste avant, en fait. Donc, vous allez voir, c'est un truc de fou. Donc, deux niveaux, par exemple, là, je vais être niveau 11. Et bien, juste avant, j'étais niveau 11. Ben, en fait, ça va se cumuler. Donc, je vais être niveau 22. Je vais faire 22 niveaux en l'espace de 10 minutes. Bon, je prends un peu plus de temps parce que je vous explique. Mais voilà, vous en 10 minutes, vous pouvez prendre 22 niveaux. C'est juste incroyable. Donc là, on lance la partie et ça fonctionne sur tous les glitches. Absolument tous les glitches, vous pouvez doubler l'XP que vous prenez quotidiennement sur Fortnite. Donc franchement, faites-vous plaisir, quoi. Moi, maintenant que je connais cette astuce, c'est fini, gros. Niveau 200 direct. Et je sais pas si Fortnite va savoir patcher ça, quoi. Parce que c'est un problème de serveur, en fait. Ça sauvegarde le jeu. Le jeu sauvegarde en temps réel. Mais là, il y a un problème de sauvegarde. C'est compliqué, quoi. Ils n'arrivent pas à sauvegarder tout d'un coup. Est-ce que j'ai mis cette plateforme? Parce que je vous parle et je compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me semble bien qu'il m'en manquait une. 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1 sur le côté gauche, 1 sur le côté droite. Hop. Donc, ouais, je disais que... Les serveurs, ils sauvegardent en temps réel. Mais là, comme je ferme l'application et tout, ben, ils ont peut-être pas le temps de sauvegarder en temps réel parce que je ne retourne pas dans le lobby principal. Donc il y a moyen qui patche le truc, je dis pas, il y a moyen. Mais voilà, ça va être un petit peu compliqué. On va aller sur la deuxième plateforme. Donc là, en réalité, je suis déjà niveau 17, les mecs. Niveau 17, bientôt niveau 18, regardez, je passe niveau 6. Donc voilà, là, en réalité, je suis niveau 18, les mecs. Même s'il affiche niveau 6, en réalité, je suis niveau 18. En fait, je suis en train de brain le jeu, en fait. Je suis en train de le troll, en fait. Le jeu, il croit qu'il m'a pas donné l'XP qu'il m'a donné juste avant, mais en fait, il me l'a déjà donné. Est-ce que je peux reprendre une deuxième fois sur cette plateforme ou pas? Allez, donne-moi un petit peu plus d'XP, là. Toujours plus. En fait, on en veut toujours plus, non? Est-ce qu'on en veut pas toujours plus, non? Désolé pour la longueur de la vidéo, mais voilà, comme ça, je prends du plaisir à vous faire la petite vidéo. Et j'espère que vous kiffez la vidéo aussi. Donc là, ouf. Retour à l'accueil. Ne faites pas de conneries, mec. Ne faites pas de conneries. Donc là, on est au deuxième glitch. On va sur le troisième. Boum. Oh là là, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Boum. On appuie sur option. On va dans l'ensemble du jeu. On a 20 minutes de vidéo. Mais je pense que les 20 minutes, elles en valent largement la peine. On refait le glitch. C'est parti.
S'il faut, vous mettez la vidéo en x2. Moi, parfois, quand je regarde des vidéos sur YouTube, je mets toujours en x2. J'ai jamais le temps, moi. J'ai pas le time. Faut que je fasse des vidéos, faut que je cherche des informations et tout. Donc, j'ai pas le time. À chaque fois que je regarde des vidéos, c'est en x2, de toute façon. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Alors, quand je mets les vidéos en x2, ça va tellement vite, hein. Parfois, j'ai du mal à comprendre, mais ça va, j'essaie de comprendre quand même. Et je trouve que c'est marrant. Et franchement, genre une vidéo de 25 minutes, bah ça devient une vidéo de 12 minutes en vrai, tu vois. Une vidéo de 8 minutes, bah ça devient une vidéo de 4 minutes parce que je fais x2, tu vois. Donc c'est assez stylé, cette petite option. C'est dans la petite roulette, hein, paramètres de YouTube. La petite roulette là, dans les options. Et vous mettez vitesse x2. Allez, c'est parti, deuxième plateforme. Ensuite, on n'aura plus qu'à le faire une seule fois. Et après, après je vais vous montrer que je vais vraiment passer niveau 22, quoi. Ouais, niveau 22, peut-être voire même niveau 23. Parce que j'étais à la fin du niveau 11 hein, tout à l'heure. Donc peut-être niveau 24 même. Qui sait. On va voir. N'abusons pas des bonnes choses quand même, mais bon. Alors je vais continuer à tirer un petit peu pour voir si je débloque une deuxième fois les XP. Parce que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. On va voir. Donc je pense que là, j'ai pris le maximum de la map. Je vais pas pouvoir en tirer un peu plus. Non, je pense que je suis au maximum. Je vais retirer une fois sur la plateforme là. Ouais, je crois que je suis... Là, je suis au maximum. Tac. Ouais, je suis au maximum. Ok, retour à l'accueil. Dernière map. Bon, j'ai peut-être fait un peu moins bien les choses parce que je suis niveau 8. Tout à l'heure, j'étais déjà niveau 9. Donc, j'aurais peut-être dû tirer un peu plus longtemps sur une plateforme qui m'a pas donné l'XP qu'elle aurait dû me donner que la première fois elle m'avait donné. Enfin, je sais pas si vous avez capté le délire, mais... Moi, je me suis compris, je crois. C'est le principal, non? Non, je rigole. Donc voilà, on va chercher mon petit pistolet de Chimera une dernière fois. Et là, on refait le glitch une dernière fois. Là, je vais vous montrer que ça va bien fonctionner. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, hop, on regarde en l'air, on tire, on reprend blindé d'XP, let's go. Bon, je suis niveau 9, la première fois, je l'ai fait, j'étais niveau 11. Est-ce qu'on va au moins atteindre les niveaux 10? Parce que je l'ai peut-être un peu moins bien fait que la première fois. Le glitch, je les ai peut-être moins bien fait. Je suis peut-être pas resté assez longtemps à tirer sur les plateformes, là, comme je vous dis. Regardez, hop, 37 000. On va aller sur la plateforme de droite. Donc, je pense que j'ai loupé une plateforme. Je pense que une fois, j'ai pas pris l'XP, que j'ai pas tiré assez longtemps et ça m'a pas donné deux fois l'XP. Donc, j'ai perdu de l'XP sur ce glitch. Mais voilà, en vrai, j'ai perdu qu'un niveau, quoi. Mais au moins, ça vous prouve que c'est réalisable, en fait. Donc là, on va quand même attendre un petit peu pour voir si j'arrive à les rechoper une deuxième fois. Mais franchement, si celui qui me dit, ouais, c'est du fake, franchement, frère... C'est du fake, je sais pas comment je fais pour faire un montage pareil. Je suis un mec, je sais pas trop faire de montage. Moi, je fais des trucs basiques. Donc non, c'est pas du fake. Ne criez pas au fake dans les commentaires parce que c'est relou. Hier, je poste la vidéo et un mec il me dit c'est déjà patché. Après, il a supprimé son commentaire et il m'a dit ouais, désolé, j'ai parlé trop vite, c'est pas patché, tu vois. Mais je fais ouais, mais gros, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'après les autres ils croient que c'est patché. Ou il y a même des mecs qui me disent ouais, c'est du fake. Après, j'en peux rien moi si le glitch il est patché. Regardez, là, tu vois, j'ai pu reprendre une deuxième fois. À mon avis, j'aurais dû tirer un peu plus longtemps sur un autre portail que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, j'ai pris que 10 niveaux, 34 000. Donc j'ai pas été. Il me manque un niveau, quoi. La première fois, j'ai pris 11 niveaux, mais j'aurais pu prendre 11 niveaux si j'aurais fait mieux les choses. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter. Non, on va d'abord retourner à l'accueil. Parce que moi, c'est la première fois que je vais le faire. Normalement, je pense qu'il faut retourner à l'accueil. Ensuite, vous quittez. Attendez, je vais demander à Johnny une confirmation parce que j'ai une petite hésitation. Ok, donc avant de vous expliquer ce que vous allez faire maintenant pour retrouver tous vos niveaux, je tiens à vous préciser que je mettrai une deuxième map en description, en commentaire épinglé. Si vous voulez des glitches d'XP qui vous rapportent 400 000 XP en un seul glitch,
comme je vous l'ai présenté en tout premier, en first try, quand je l'ai fait le glitch la première fois, ça a rapporté 400 000 XP. Si vous voulez des glitches comme ça, n'hésitez pas à aller vous connecter sur la map que je mettrai en description, en commentaire épinglé, parce que comme ça, nous, on débloquera l'XP sur les maps créatifs et on pourra vous proposer des glitches de ouf. Et là, franchement, vous allez péter des plombs tellement qu'on va vous donner des glitches qui va vous faire up super rapidement vos level 100, level 200, level 1000, tout ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que si on n'arrive pas à débloquer l'XP, on a essayé plusieurs fois, ça fait des mois qu'on essaye, on n'arrive pas à débloquer l'XP parce qu'il n'y a pas assez de monde qui se connecte sur nos maps. Donc si on arrive à débloquer l'XP grâce à vous, on va exploser les glitches d'XP. Vous allez kiffer. Vous êtes même pas prêts, les mecs. Vous êtes même pas prêts. Donc, n'hésitez pas à aller vous connecter tous les jours. Faites ce que vous voulez, mais essayez de vous connecter un maximum sur la map qui sera en description, en commentaire épinglé. Donc, je la mettrai juste en dessous de la map actuelle que je vous ai présenté le glitch. Donc, le code du glitch, c'est 05. Et l'autre code sera juste en dessous de cette map. OK? Donc, franchement, essayez de vous connecter un maximum pour qu'on puisse débloquer l'XP. Donc, là, j'ai demandé à Johnny ce que je devais faire. Donc, moi, si vous voulez stopper, là maintenant, vous voulez stopper et récupérer vos niveaux. Ce que vous faites, c'est que vous fermez l'application, enfin vous retournez dans le lobby Fortnite. Donc, vous quittez le mode créatif. Mais si vous voulez continuer à faire l'astuce, mais je ne vais pas la faire dans cette vidéo. Je ne sais pas si ça fonctionne. C'est une hypothèse que j'ai eue. Mais l'hypothèse, c'est que si maintenant, je fermerai l'application et que je relancerai l'application, peut-être que en faisant ça... Eh ben, je pourrais encore continuer à débloquer les 900 millions, les 900 000 XP, les 900 000 XP, peut-être en illimité. Je vais pas le faire dans cette vidéo, mais je pense que c'est une possibilité. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement quitter le mode créatif. Regardez, je suis niveau 10. Niveau 10, il me manque 34 000 XP. Je quitte le salon. Je quitte le mode créatif. Et là, normalement, mes levels vont up. À ce que Johnny m'a dit. Donc on va voir. J'ai gagné 100 étoiles. Je suis de niveau 21. Donc 11 plus 10, ça fait 21 niveaux. J'ai passé 21 niveaux en même pas en 20 minutes. Parce que je vous ai parlé, j'ai fait un peu de promotion pour ma map et tout ça. Mais là, j'ai pris 21 niveaux. Donc les mecs, on va faire un petit calcul, ok? 21 fois 75 000 XP est égal à 1 575 000 XP. Et encore, j'ai encore 10, 20, 30... 32 000 XP en plus. Donc, ça fait 1 600 000 XP en un seul glitch, les mecs. C'est la meilleure astuce. Vous trouverez nulle part ailleurs ce glitch. C'est nous qui vient de le trouver avec Johnny34. Franchement, c'est une exclusivité. Franchement, faites péter les likes, faites péter les partages, faites péter les abonnements. Je compte sur vous et n'hésitez pas et n'oubliez surtout pas de vous connecter sur la deuxième map que je mettrai en description, en commentaire épinglé. En tous les cas, je vous remercie à tous pour votre soutien. Merci à tous ceux qui mettent mon code créateur. Vous êtes les best. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ciao. Peace.